Bonjour les amis, bienvenue sur Salarié Affranchi. Il existe actuellement plus de 6000 crypto-monnaies dans le monde, chacune ayant ses propres caractéristiques et applications. Plusieurs entreprises acceptent désormais les crypto-monnaies. Parmi elles, on peut citer PayPal, Microsoft ou Wikipédia. Certains États également, à l'instar de la Chine, du Nigeria et de la France, ont déjà créé leur propre crypto-monnaie. Facebook a d'ailleurs annoncé le lancement de sa propre crypto-monnaie appelée Libra jusqu'en décembre 2020. Mais en zone CEMAC, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad n'autorisent toujours pas les activités liées aux crypto-actifs. Néanmoins, les États à travers le monde essaient de réguler cette activité car le potentiel de la blockchain est devenu incontournable pour le bien-être de l'humanité. Aux États-Unis, les membres républicains et démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat tiendront une audition sur le rôle du gouvernement concernant les crypto-monnaies. Selon le programme du GEC, Joint Economic Committee, prévu pour la semaine prochaine, le 17 novembre 2021, les membres du Congrès écouteront les experts de l'industrie autour du thème « Démystifier la crypto, les actifs numériques et le rôle du gouvernement ». Le représentant Don Beyer, qui a déjà proposé une législation élargissant le cadre réglementaire et juridique des actifs numériques aux États-Unis, précédera l'audience. La Commission européenne exhorte les membres à se mettre d'accord sur les réglementations cryptographiques. Elle est la branche exécutive qui propose une législation et exhorte ses membres à se mettre d'accord sur ses propositions de réglementation sur les marchés des actifs cryptographiques. MiCA, cet automne. Selon les déclarations du commissaire européen aux services financiers, lors d'un forum web mercredi, le commissaire Merit McGuinness a déclaré que la Commission espérait également finaliser sa proposition de sandbox réglementaire pour les produits financiers basés sur la technologie de la blockchain d'ici la fin de l'année. La Commission a déclaré que la législation proposée dans le cadre facilitera l'expansion des sociétés de cryptographie à travers l'Union européenne via un système de licence qui permet aux entreprises réglementées dans un État membre à commencer à opérer dans d'autres. En Afrique centrale, le Cameroun prépare une régulation nationale en attendant celle de la COSIMAF, Commission de surveillance des marchés financiers. Face à la popularité croissante des crypto-monnaies, le ministre des Postes et Télécommunications annonce la tenue d'un séminaire le 15 novembre 2021 à Yaoundé sur les opportunités, enjeux et risques de la crypto-monnaie au Cameroun. Le ministre des Postes et Télécommunications indique qu'elle engage cette réflexion dans le contexte où les gouvernants, notamment ceux d'Afrique centrale, aux crypto-monnaies riment souvent avec escroquerie, difficultés de qualification, problèmes de définition, nature juridique difficile à cerner, enjeux de régulation et réglementation. Toutefois, indique le ministre, ayant désormais le vent en poupe et devenant un vecteur d'échange au sein des masses populaires, la crypto-monnaie nécessite incontestablement d'être appréhendée.